Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'exercice de compréhension orale type examen DELF A1 qui se trouve à la fin de l'unité 4 du livre édito A1 méthode de français. Alright, so today we take a look at the Hearing Understanding, Hearing Comprehension exercise that is at the end of unit 4 of édito A1 méthode de français. Donc, pour commencer, on va regarder quelques conseils pour vous aider pour l'épreuve de compréhension orale. Donc, quelques conseils pour vous aider. A few advice, okay, a few hints to help you, okay, pour vous aider, to help you during the exam. Donc, n'oubliez pas que vous allez entendre deux fois les documents. Vous allez avoir le temps de vérifier vos réponses et de les compléter. Ok? Donc, n'oubliez pas que vous allez entendre deux fois les documents. Do not forget that you're going to hear the documents twice. Ok? Deux fois. Two times. Vous allez avoir le temps. You will have enough time de vérifier vos réponses. To check your answers. Et de les compléter. And to add some new answers if you need. Ok? Lisez bien la consigne qui se trouve avant chaque exercice pour comprendre dans quelle situation vous êtes. Donc, lisez bien la consigne. Really read carefully the question of the exercise, ok? La consigne qui se trouve avant chaque exercice, so for every exercise, pour comprendre dans quelle situation vous êtes. The idea is to really understand, ok? Pour comprendre, understand, dans quelle situation vous êtes. Donc, to really understand in what situation you are for this exercise. Par exemple, vous écoutez la radio, vous entendez cette publicité. Donc, par exemple, vous écoutez la radio, you're listening to the radio, vous entendez cette publicité. You hear this advertisement. This could be the title, the question, like the statement, the situation of an exercise. So you really have to read those carefully. Lisez attentivement les questions et observez bien les images et les pictogrammes. Ils sont là pour vous aider. Donc, lisez attentivement les questions. Donc, really read carefully all the questions et observez bien les images et les pictogrammes. And also take a careful look at all the small images or drawings that are on top of the questions. Okay, I mean additionally to the questions. Ils sont là pour vous aider. They are here to help you. Par exemple, quand vous devez cocher une réponse, vous voyez ceci. Donc, for example, when you have to tick a box to answer a question, you can see something like this, like the small drawing here, okay? Révisez bien les données chiffrées, prix, date, numéro de téléphone, heure, etc., etc. Donc, révisez bien les données chiffrées. Really study carefully all the numeral data, all the numbers, these kind of things. Par exemple, les prix, prices, les dates, dates, les numéros de téléphone, phone numbers, les heures, so the hours, the time, etc., etc. OK? So, here are the questions. Only four questions. It's a very small exercise, OK? I will play the audio twice. The audio is 1 minute long. If you have followed all the videos, méthode de français, unit 0, 1, 2, 3, 4, I think this shouldn't be too difficult. All right? So, I will play the audio twice. You can pause here, read through the questions if you want. I will not read the questions for you, obviously. And after we listen to the audio twice, then I will give the answers to the question and give some explanations. OK, c'est parti. Page 74, stratégie DELF, compréhension orale. Pour célébrer notre amour, cette année, j'achète une montre connectée comme cadeau pour ma petite amie. Elle va adorer. Vous aussi, vous pouvez offrir du rêve à votre chérie pour la Saint-Valentin. 200 professionnels vous attendent au Salon de la Bijouterie. Rendez-vous du 22 au 25 janvier, de 9h à 19h, Parc des Expositions à Paris. Il y a des conférences tous les jours à 15h sur les nouvelles tendances. Entrée 28 euros jusqu'au 15 janvier, 34 euros à partir du 16 janvier. Vous pouvez réserver sur notre site
www.salon-bijoux.fr. Page 74, stratégie Delphes. Compréhension orale. Pour célébrer notre amour, cette année, j'achète une montre connectée comme cadeau pour ma petite amie. Elle va adorer. Vous aussi, vous pouvez offrir du rêve à votre chérie pour la Saint-Valentin. 200 professionnels vous attendent au Salon de la Bijouterie. Rendez-vous du 22 au 25 janvier, de 9h à 19h, Parc des Expositions à Paris. Il y a des conférences tous les jours à 15h sur les nouvelles tendances. Entrée 28 euros jusqu'au 15 janvier, 34 euros à partir du 16 janvier. Vous pouvez réserver sur notre site www.salon-bijoux.fr. Okay, if you are not so sure about the question, you can decide if you want to listen to it one more time. Okay, you just go back in the video, you listen to it one more time. Maybe you can check the answers first, then listen to it again. I mean, you do as you wish. All right, donc c'est parti. Question numéro 1. Quel est le cadeau de cet homme à sa petite amie pour la Saint-Valentin? So, what's the present that this man is buying for his girlfriend? Okay, petite amie, girlfriend, pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin is Valentine's Day. Alright? So, what is the guy buying for his girlfriend? Une montre connectée. Donc, l'homme achète une montre connectée à sa petite amie pour la Saint-Valentin. Okay, he says it at the beginning of the audio. Page. Pour célébrer notre amour, cette année, j'achète une montre connectée comme cadeau pour ma petite amie. Cette année, j'achète une montre connectée comme cadeau à ma petite amie. Donc, cadeau, present, petite amie, girlfriend, j'achète, I buy. Okay, so he says it explicitly. You cannot do easier than this. Question numéro 2. On peut visiter le salon de la bijouterie de 9h à 19h. So this is the opening time of the salon de la bijouterie, basically, right? She says it also, the woman. Page à 19h, partie. Rendez-vous du 22 au 25 janvier. Du 22 au 25 janvier. So from 22 to 25 of June. But this is irrelevant for the questions. De 9h à 19h. De 9h à 19h. Ok, she says it here. De 9h à 19h. Question numéro 3. Qu'est-ce qui se passe tous les jours à 15h? So what's happening every day at 15h, 3 p.m. Is it something like a fashion show? Something like a conference? Or something linked to jewelry? Can be a bit tricky because obviously the woman is talking about jewelry, right? Jewelry is bijou. Okay, we're talking about le salon de la bijouterie, which is kind of like the exhibition of jewelry. Okay, so you might be tempted to say picture C. All right, but if you hear what she says at the end, Parc des Expositions au 15 janvier, 34 euros à partir du 16 janvier. Vous pouvez réserver sur notre site www.5janvier de 9h à 19h, Parc des Expositions à Paris. Il y a des conférences tous les jours à 15h. Il y a des conférences tous les jours à 15h. So you can hear she says tous les jours à 15h. Donc tous les jours à 15h, il y a des conférences. Conference is like in English, conference. Okay, so it's picture B. Alright? C'est bien. Et question numéro 4. Vous pouvez réserver une place sur le site internet salon-bijoux.fr. She says it towards the end of the audio. Www. Donc www.
www.salon-bijoux.fr. .fr. First one would be salon-bijouterie.fr. Second one would be salonbijouterie.com. But she says salon-bijoux.fr. All right, and that's it. That was very short. So this is the complete end of the unit 4 of méthode de français. So if you did the class méthode de français, all the exercises of cahier d'activité and this very short exam exercise, then you can move up to unit 5, okay? See you then. Bisous à tous. Passez une bonne journée.